faites-les doucement. Faites-les doucement, mes chéris. Vous faites ça plusieurs fois, vous aurez un bon résultat. Je sais que tu as envie de savoir. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, Adrienne? Shall we dive? Est-ce qu'on peut faire des dives? 1, 2, 3, wouh! Hello! Peut-être c'est une nouvelle introduction, je ne sais pas. Bien, on est de retour chez Première Dame Look. Moi, c'est Adrienne. Si c'est ta première fois de voir mes vidéos, je ne sais pas comment est-ce que tu as atterri dans la chaîne. Mais à la fin, si tu as aimé, parce que je ne suis pas là pour vous dire aimez ma vidéo, commentez, faites ceci. Non, 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 c'est une nouvelle année. Donc, si cette vidéo t'a plu, you know, just do what you want, ok? Pour mes anciennes, vous-même, vous savez qu'ici, on aime déjà la vidéo avant qu'on puisse la regarder. Donc, voilà une étude que je puisse vous rappeler tout le temps. Aimez, aimez, parce que je me suis dit non, si vous aimez, d'ailleurs, vous savez ici que des contenus. Top. Voilà, j'espère que vous allez bien. Vous avez la santé, votre famille, ça va et tout ça. Comment est-ce que vous allez? La journée ici sur YouTube, j'ai fait des vidéos spécialement cette année. Je me suis dit, nous allons faire beaucoup d'astuces, nous allons beaucoup parler. On va faire des soins de visage, on va faire des make-up, un peu de tout, de vlog. Voilà pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans les titres, c'est titre. Oh my god. Voilà la raison pour laquelle tu as cliqué. Je sais que tu as envie de savoir. Donc, comme nous l'a dit les titres, your husband will never leave you one second after you do this. Après avoir appris... Moi, je suis anglophone, comprenez, je suis anglophone, mais je vous fais des vidéos en français. Dans ma langue, elle est un peu, you know. Donc, après avoir regardé cette vidéo, ton mari ne va jamais te laisser aucune seconde. Oh my God! Adrienne, qu'est-ce que tu veux nous dire? Donc, c'est une vidéo conseil. Comme vous avez vu, je ne sais pas si vous avez constaté les banners qui apparaissent en haut de la chaîne. Ça a changé. On va faire des astuces grand-mère. On va parler le conseil. Maintenant, c'est partie de conseil. Donc, your husband will never leave you a second, a minute, an hour, a day, a week. When you see this video, après avoir que tu puisses faire ça, ton mari ne va jamais te laisser une minute, deux minutes, trois minutes. Il sera tout le temps avec toi. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, Adrienne? What do you want to do? Je sais que vous avez envie de savoir. Avant tout, je vous fais une petite rappel. Donc voilà, ça ce sont mes réseaux sociaux. Je suis active sur Snapchat, je suis active sur Instagram, je suis active, super active sur Facebook. J'adore Facebook. Donc si vous voulez en rentrer en contact avec moi, écrivez-moi directement, je vous réponds rapidement aussi. Donc, pour cette vidéo, j'ai vu beaucoup de gens parler de ça, beaucoup de gens font des vidéos, like, you know, this and that, hygiène de la femme et tout ça. Je me suis dit, pourquoi pas vous faire parler, vous faire aussi cette vidéo. Peut-être ça va bénéficier mes petites sœurs qui me suivent quand même. Ça va vous bénéficier et tout. Peut-être vous venez d'accoucher, vous êtes marié, vous avez un copain, je ne sais pas moi, les statuts de ta relation, mais peut-être cette vidéo va te bénéficier. Sans faux. Donc, pour commencer cette vidéo, comment est-ce que vous pouvez... Titan, ça veut dire renfermer votre vie. On va appeler ça vie aujourd'hui, votre vie zone. Comment est-ce que vous pouvez les renfermer? Comment est-ce que vous pouvez les nettoyer proprement? Je vais vous partager 5 idées, 5 petits conseils. Quoi est-ce que vous pouvez faire à la maison? Donc, sans plus tarder, au numéro 1, il suffit de vous nettoyer les vie sections avec de l'eau. Oui, de l'eau, mes chéris, parce que de l'eau, ça fait du bien. Donc, il suffit de vous nettoyer votre vie zone avec de l'eau. De l'eau naturelle, n'utilisez pas like, de l'eau minérale, de l'eau, je ne sais pas moi. De l'eau naturelle, un peu d'eau naturelle avec un tablespoon ou teaspoon de sel. Sel des tables. Mettez de l'eau dans un bol, je ne sais pas moi, un petit cantine, je ne sais pas moi. Et puis, mettez des teaspoons du sel et puis, asseyez-vous sur ça pendant 2 à 3 minutes. Il ne faut pas prendre cette eau, les mettre à l'intérieur. J'ai dit seulement à l'extérieur parce que l'extérieur, nettoyez juste l'extérieur parce que l'intérieur du vie zone se nettoie naturellement. Et puis si vous avez des infections, vous avez la, donc si vous avez des infections, vous avez des trucs qui grattent là-bas en bas, donc les sels, ça va. Si vous avez des trucs comme ça, utilisez les sels et l'eau froide, ça va beaucoup vous aider. Et
aussi, n'oubliez pas d'échanger vos sous-vêtements. Si vous nettoyez l'intérieur, vous risquez de l'irriter. Donc, parce que ce n'est pas important de nettoyer l'intérieur, c'est juste l'extérieur, la vulve qu'on doit nettoyer avec de l'eau, pas avec du sel. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour ça, les numéros 2. Ce que vous devrez faire, si vous écoutez les bruits, parce que je suis à la maison, j'ai des enfants. Donc, ne jamais utiliser des savons parfumés, des savons, je ne sais pas moi, des savons qui ont des odeurs, je ne sais pas moi comment. Utilisez juste de l'eau, le sel et tout, ou soit des savons qui sont naturels, je ne sais pas. Mais pour mon cas, c'est moi, les sels et de l'eau, c'est bon. Donc, n'utilisez rien du tout à l'intérieur, sauf que l'extérieur pour un bon odeur. On est toujours dans le point de vue laver. Donc, le troisième type, c'est de laver votre vulve et votre ouverture vaginale. Oui, mes chéris, il faut bien vous rassurer de les laver avec de l'eau. Parce que de l'eau, you know, juste bien vous nettoyer. Et puis aussi, il faut jamais oublier votre ligne de bikini. Il faut bien les nettoyer. Sinon, on risque de dégager des odeurs que je ne sais pas moi. Donc, rassurez-vous de bien nettoyer, ça va vous éviter de développer des infections, des bactéries, beaucoup de maladies. C'est pas seulement que les maladies sexuelles ont... Donc, c'est pas seulement que les maladies, vous pouvez juste les contracter en faisant des rapports sexuels. Non, les maladies peuvent aussi, vous pouvez aussi développer les maladies faute de ne pas nettoyer de votre hygiène. Si votre hygiène n'est pas correcte, vous pouvez également avoir des microbes, des bactéries et de trucs qui... Donc, assurez-vous de bien nettoyer. Donc, au numéro 4, nettoyez les plis qui sont autour de votre clito. Donc, nettoyez ça avec de l'eau naturelle, de l'eau. J'insiste avec de l'eau. Et puis, j'insiste encore, il ne faut pas mettre les doigts à l'intérieur ou soit chercher de nettoyer l'intérieur parce que l'intérieur, ça peut se nettoyer naturellement, mes chéris. Quand vous êtes en train de faire vos nettoyages, il faut le faire doucement. Faites-les doucement, mes chéris. Vous faites ça plusieurs fois, vous aurez un bon résultat. Votre corps sera nickel, vous serez propre et tout. Donc, c'était juste des petits conseils féminins. Je ne sais pas ce que vous avez aimé. Je ne sais pas si vous avez aimé. Laissez-moi en commentaire. Et puis, les numéros 5. Les numéros 5, c'est un devoir à domicile que je donne. Notre devoir à domicile, je vous ai donné les 5e points là, justement, vous avez lu. Pour notre devoir à domicile, je vais savoir, ou soit les autres aussi, ils veulent savoir quelles sont tes techniques, comment est-ce que tu fais pour nettoyer ta zone vie et aussi comment est-ce que tu fais pour resserrer ta zone vie. Laissez un commentaire et ça va faire énormément plaisir à tout le monde qui lise le commentaire. Ici chez moi, j'ai toujours dit sharing is caring. Je viens de vous partager, donc raison pour laquelle peut-être aussi ton expérience, tes techniques peut profiter l'une d'entre nous. Je vois déjà une personne en commentaire me demander, Adrienne, qu'est-ce qui t'a sur tes lips? Sur mes lips, j'ai mis les NYX. Lingerie, c'est lip gloss de NYX que j'aime, lip pour les lèvres. Voilà, je vais vous mettre les numéros, toutes les informations en barre d'infos. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé, pousse la vidéo vers le haut, des pouces vers le haut, bleu. Ça me fait énormément du plaisir. Jusqu'à ce qu'on va se retrouver à la prochaine. Bisous. Bye bye.